Coucou les gamers, bienvenue sur Europa Universalis 4, le jeu où l'on contrôle Venise pour buter le monde. Et bah malgré tout, on s'en sort plutôt pas mal. Parce qu'on est en pleine guerre contre la France, guerre qui s'annonçait compliquée parce que c'était la France, mais qui en fait on a très bien géré. Parce que heureusement que juste avant le truc, on a géré quelques alliances bien placées. Et que en plus de ceci, bah malgré tout, on s'en sort très très bien. Alors, il n'y a que cette armée-là qui va peut-être réussir à prendre Psat assez vite. Le but, c'est de vassaliser Brisgau. Parce que si on vassalise Brisgau, ça nous donne une ouverture pour royer les armées. Et ce qu'on peut faire en plus avec de la chance, c'est choper ici deux petites régions. Par contre, c'est relier Estralao, faut qu'on fasse la guerre à Mayence, c'est pas donné. Déjà, c'est prévu qu'on libère les Flandres. En libérant les Flandres, on va les vassaliser par la voie... comment dire, par la voie diplomatique. On va pas du coup aller péter leur gueule. Le Danemark, on occupe totalement les flottes françaises. La première faute que je vois dans notre champ de vision, je taperai tout de suite ma faute monstrueuse dans la gueule. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent tenir le coup. Par contre, eux, c'est pas des efficaces en siège. Eux, dès qu'ils ont fini, il va falloir qu'ils aillent abattre ce mec-là. Le Danemark qui tranquillement en train de prendre le nord. Donc d'un côté, ça me dérangerait pas qu'ils fassent une paix séparée qui pique des trucs à la France. Si ça leur fait plaisir, faut qu'ils se fassent plaisir. En fait, du coup, ma master expansion, je l'ai perdue. Ah, par contre, ils ont la tradition noble. En l'eau de la vie, ça. Et 18 000 là aussi, je pourrais tenter d'aller les sniper. Je vais passer en x3, je pense. Attention, comment ça se fait? 40 000, il me semble que je perds beaucoup de troupes. Faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que les sièges tombent très vite. Que l'attrition me fait très mal. Ce qui me manque, c'est ces deux provinces là aussi. Mais si je prends ces deux provinces là, elles vont être compliquées à Corée. Ah, c'est vraiment, c'est compliqué. Il faut prévoir un truc. Je pense que Zurich sera important à prendre. Ah, malgré tout, ils m'ont doublé. Hein. Pourtant, ils ont pas de chef, rien du tout. Hein. À moins que mes forts soient niveau 2 et que les leurs soient niveau 40. Ce qui est possible. C'est quand même rare. Fort niveau 3. Fort niveau 3, non. Alors celle que je suis pas prêt d'acheter, c'est la diplomatique, c'est sûr. La seule que j'économise, c'est pour la militaire. On fout de ceci. Ah oh ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ont décidé d'aller chercher une armée française à 23 000 contre 19. Ah nickel. Parfait parfait les Danois. Parfait mec. Tu gères. Voilà, il a buté une armée. On prend une troisième région. Je suis en train d'épuiser mon argent de secours. Et heureusement qu'en temps de paix, je mets beaucoup de côté. Améliorer, ok, d'accord. Ah, l'attrition, c'est juste méchant.
En train de regrouper un autre bloc là-bas. Allez quoi, tomber les sièges, mince. Dans 30 ans pour que les sièges tombent. On attend que ça, que ces sièges tombent. J'ai peut-être commencé mon siège un peu bas là. Zurich, ça aurait été mieux. On va être en x5, de toute façon on fait rien. C'est qui? On va perdre cette province là, mais pourtant c'est pas des sols, c'est des patriotes tchèques. Ça a rien à voir. Et eux ils me détestent, je sais pas pourquoi ils me détestent comme ça. Je vous ai donné Salzbourg, bande d'enfoirés quand même. Les Pays-Bas qui quittent la coalition. Bon, on va dire que je m'en fous, ça vous aura fait chier un petit moment ça. Danemark qui se porte très très bien. Par contre, les flottes danoises sont passées. Brigo, voilà. Maintenant qu'on a terminé Brigo, soit je fonce sniper une armée française, soit je commence le siège de la commune que je veux. Et moi, comme je suis méchant, on va aller sniper. Et je vais quand même faire gaffe que j'ai pas de lassitude. Une armée de 29 000, une armée de 27 000, on va faire gaffe là. Ça commence à être gros. Lassitude, j'en ai pas. J'ai aucune lassitude de guerre. Vous, la seule chose que je voulais vous demander, c'est d'être bienvenu chez nous. Et votre puissance commerciale, vous n'avez pas une thune, vous serez pote avec personne, m'en voulez pas. Enfin, l'Autriche, je m'en fous. C'est plutôt la France qui m'intrigue. Voilà. Comme ça. On intègre un nouveau vassal. Et il me manque plus beaucoup de choses à capturer. J'aurai accès de nouveau à certaines provinces que j'avais perdues. Ces provinces-là, j'avais plus accès du tout. Est-ce que je tente l'armée française? Ils ont pas de lassitude? Non, leur lassitude n'est pas élevée du tout. J'ai plutôt... remettre en sprint, mais pour aller tuer ces gens-là. Bad, j'ai fait la paix avec vous, c'est normal. On va essayer de shooter les quelques armées qui se promènent par là. Qu'est-ce qu'il fait le Danemark là? Hugo qui est tombé. Ça veut dire que vous passez à Zurich. Pour l'instant, la seule chose que je veux voir, c'est effacer l'offre. Relâcher les Flandres. Prendre Hugo. Ah, ça devient intéressant ça. Quelques sous. Je peux piquer 500 en plus. Ça coûte
rapporte rien. Moins 4. On peut faire durer encore un peu. Sélectionnez l'arme et marche forcée, vous foncez tout de suite. On va éviter les mauvaises surprises, voilà. Je pense que eux ils chassent. Le Danvax c'est des psychopathes quand même, parce qu'avec 19 000 ils chassent 28 000. Ben, retourner du coup chasser les 3000 là-bas. Ils sont en Savoie. Et on peut laisser passer. On a récupéré Sudo. Les autres, ils ont dû faire tomber le pays du bas. Et il va falloir que je m'occupe des 29 000. Avant que je m'occupe des 29 000, on va faire ça. Voilà, le piémont est tombé. Vous retournez à Berne. En marche normale, parce qu'il faut régénérer le moral. Sélectionner l'armée. Ok, on n'est pas en marche forcée. Les 4000 se sont suicidés. Je pense qu'on peut faire très très mal à la France là. Moi, c'est sûr que je vais certainement donner quelques trucs au Danemark, ils vont être contents. Berne. Les 29 000 là. Ça fait beaucoup quand même. 136 bateaux. Ils ont une sacrée faute les Pays-Bas aussi. Et 54 000 là. Il faudrait que je prenne tous les canons et je les envoie là. Attends, il y a beaucoup de troupes. Ah non, malgré tout, ils sont encore très bons. La France se débrouille très bien encore. Ok. Tous les canons. Portez là. Et ici. Sélectionnez l'armée. Vous me refilez. Tout ça et tout ça. On va accélérer le truc comme on veut. Avec tous les canons qu'on a mis. On est avec qui? On est avec Bad. On a un 2 en siège. On a un plus 5 pour les 15 canons. Et on est qu'à moins 7%. Que du coup on va préparer une attaque sur voilà. Les troupes françaises sont éparpillées partout, donc à 60 à environ à 110 000 je pense que ces 30 000 là ils vont pas tenir. Pas de défaite pour le Danemark. J'ai juste de ceci, le Danemark, on perd rien. Il n'est pas en guerre ailleurs. Il n'est pas en guerre ailleurs, c'est bien. Par contre, il y a un groupe de 29 000 en bas, mais moins 60%, on est pas inquiet.
tomber les sièges. C'est un moment qu'on est dessus. Okay. Par contre, ma flotte, j'y vais aller la planquer. On n'a pas besoin d'elle. Ou financement des flottes. Je vais le mettre au minimum. Ça va me faire économiser beaucoup. C'est bien la faute que j'ai changé. C'est bien la faute. Pas vendre des flottes. Ok, ce truc là est tombé. Et vu qu'il est tombé, vous passez à côté. Parce qu'on va préparer l'attaque. Moins 14%. Si ça pouvait tomber plus vite, ça ferait plaisir. Est-ce que le Danemark gère encore? Parce qu'il a des hommes un peu partout. Il a sa troisième région. Il est sur le point de prendre une quatrième là-bas et 20%. Il y a des troupes françaises un peu partout. Est-ce qu'il est suffisamment fort là? S'il se fait soutenir, oui. Ah, l'Arborant, il a pas soutenu. C'est dommage, là, s'il avait envoyé les 15 000, c'était gagné. Ok, c'est bizarre comment il bat le Danemark. Allez, quoi, 7%. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le score? Bon, artillerie, je suis en max, il me semble. Ouais. Par contre, le commandant n'a pas de siège. Et celui-là, il n'y a pas de siège non plus. J'ai des commandants boulés là. Early, ce n'est plus celui-là. Ok. Mais en restant 40, on va faire chier l'état pontifico. M'en voulez pas. J'ai dit que je l'achetais. 90. Voilà, le temps que vous investissiez. Oula. Là. Il vient de prendre une sacrée fessée là, le Danemark. Comment ça se fait? J'ai commencé à regarder pour ma négociation là. Le Danemark perd des troupes comme ça maintenant. C'est inquiétant, j'ai pas envie qu'il perde beaucoup de troupes comme ça le Danemark. Je peux lui refiler l'Artois là. 0. Moins 3. Mais ces trucs tellement petits. Moins 7. Oui, c'est bon. On va dire que je conserve l'espoir. Je pense qu'on peut aggraver le score de guerre pour juste que le Danemark arrête de faire n'importe quoi. Protège ses troupes, c'est tout. Nous, on va frapper les armées de 30 000. Mais je veux juste prendre cette fichue région avant. J'ai le moyen de prendre Zurich. Dès que Zurich tombe, j'enchaîne deux armées de 30 000 hommes. En perdant 60 000 hommes, on va gagner beaucoup de points de victoire. Et eux, ils sont partis en ravitaillement d'urgence. Le Danemark qui va gérer ici. Allez, toi, tu tombes. On va prendre le stabilité, mais quoi? Le stabilité, c'est tout. Les murs brisés, ça vous dit pas?
Allez, 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 allez. Faites gaffe à vous, le Danemark, ça arrive de tous les côtés. Tenez, comme on dit, tenez bon. 28%, allez, tu peux tomber. Bon, ça, je vais attendre. La Bohème a acheté le défenseur de foi. La Pologne n'est pas fait gaffe. Puis on s'en fout un petit peu, mais bon. Perdu votre marque. Allez. 35%. Ça reste bien. On souffre de blocus. Comment ça, on souffre de blocus? Qui a ramené des flottes? J'avais fait ça parce que personne n'avait ramené de flotte. Parce qu'il va falloir que je sorte ma flotte en urgence. Ah ouais, la France, ils ont cru qu'il était fort. Ne vous inquiétez pas, je peux tenir beaucoup de mois sans financer ma flotte. Enfin, en finançant ma flotte. Dans 2 mois, je sors. Donc. Allez, tombe, saloperie de truc. Ils vont reprendre le Vernandois. 35%. L'argent, on n'en a jamais assez, mais c'est un event qu'on s'en fout, quoi. Quoique si, 25, c'est ma dette par mois. Donc ce mois-ci, c'est comme si je perdais pas de sous. Alors, 35. Allez, allez, 35%. Lance un bondé là, parce que... Zurich est tombé. Vous avancez sur Brigo. Parce qu'une fois sur Brigo, on va faire un mouvement en masse. Ok. Je mets tout le monde en marche forcée et on va buter cette armée. Ensuite, je m'occupe de ceux du bas. Marche forcée. Sélectionner l'armée. Marche forcée. Sélectionner l'armée. Marche forcée. Là, vous laissez de quoi faire le siège. Bon, bon, bon. Le 28, le 28, et vous un petit peu plus tard. Ok. Normalement, les 22 000, on les purise largement à temps. Ou, d'autre côté, il y a la France qui tente d'attaquer le gros de l'armée du Danemark. Bah la France, par contre, la France, elle a gagné. Moi, ici, je les ai vaincus. Allez, ici, on unifie. On va enchaîner là-bas. 60%. C'est peut-être le moment de signer la paix. Non, à Naba, je suis pas sûr qu'il le veuille. Combien? Moins 1. On va l'enlever. Moi, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Combien ça fait? 3. Zéro, c'est pas bon. On a piqué toute la thune qu'on pouvait piquer. 3. On peut faire ça. Là, je suis réellement au maximum que je peux. Est-ce que ça va rendre le Danemark content? Bah, au moins, ça va sauver son armée. Et il aura 3 contrées là-bas. On y va.
De toute façon, c'est pas moi qui attaquais, c'est la France. Hein. Rejeté. Non, moi je suis pas d'accord. Rejeter une offre de paix pareille. Je vais devoir aller vous détruire. En fait, il faut que j'y pense, mais ma flotte. Je peux l'envoyer maintenant. Elle est passée où la flotte française ici? Elle réagit assez vite, c'est ça? On va, diminuer la vitesse parce qu'il y a quand même 60 000 hommes qui se promènent. On va être un peu plus prudent. Alors. Ah oui, construire le palais. Pas que j'ai pas les sous. Je construis quand même le palais, même si j'ai pas les sous. Bon, au pire, j'aurai une petite dette, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Ça va faire remonter un peu ma légitimité. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé une offre de paix pareille? On coupe en deux une partie qui va là, une autre partie qui va là, et on enlève la marche forcée, et vous, on va vous mettre à chef. Par là et vous bougez par là pour commencer. On a le 22, le 24, c'est bon, on est plus rapide. Les 58, ils vont partir en marche forcée très très vite, sauver nos 4000 hommes. Vous partez là-bas, vous y êtes le 3 juin. Je sais pas si vous y serez assez vite, mais il faut y être. Ou plutôt mettez-vous en vaude. Ils y sont le 31 mai, vous vous y êtes 3 jours plus tard. Et si je vous mettais aussi en marche forcée, vous y êtes quand vous? Le 4 juin, ouais, donc ça sert à rien. Allez, en vaude. Bon bah j'ai chopé aucune flotte, donc revenez. Et allez choper la flotte de la Tunisie une deuxième fois. Et ensuite je vous mettrai au repos, définitivement. Allez, 1er juin. Faut tenir 2 jours les mecs, faut tenir. Y'a les renforts derrière. Et ils aiment pas les renforts qui arrivent. Ils ont tenu, c'est bon. Comment ça se fait qu'ils résistent comme ça? Qui résiste de plus en plus les armées françaises là. Je trouve que j'ai beaucoup de pertes pour ce qui pour combien ils sont. Non c'est bon, n'y allez pas, ça sert à rien.
On va juste passer en surattrition si vous y allez. Ah oui, mais j'ai carrément eu beaucoup de pertes là. Ah, carrément autant. Je vais les choper. Mais c'est pas normal. Bon, est-ce que maintenant on peut enfin renégocier une paix? On a combien? Plus 12? Bah, vous nous donnez Anaba. Non, 3 Anaba. Vous nous donnez celui-là en plus. Vous nous donnez celui-là aussi. Allez, faut payer maintenant. On est bien gentils, nous, avec vous. Il faut envoyer l'argent. Voilà, là, ils ont accepté. Tout de suite, on vous unit, on enlève la marche forcée. Mercenaires. On vous dit adieu. Vous allez à Frioul. Vous, mercenaires. C'est combien les mercenaires? C'est eux qui sont 21 000. On vous dit au revoir. Vous venez à Man. Maintenance de l'armée. Maintenance de la flotte, on maintient ça. Les vaisseaux lourds, vous êtes. Cette armée va là-bas. Le reste, je vais vous découper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez bosser à Venise. Nous, on va vous couper en deux simplement. Une partie qui va aller bosser en Crimée. Et une autre partie qui va aller bosser à Constantine. Non, à Argus plutôt. Les mercenaires là-dedans? Non. Bah, vous embarquez dans le bateau et vous allez là-bas. Toi, tu vas là. Les rébellions, tout le monde est géré. Oh là, par contre, ça va nous coûter très cher. 200, 100 et 100. Ah, pas trop cher en fait. Moins que ce que je m'attendais. Vous, on va vous proposer d'améliorer les relations. On va essayer de vous faire une vassalisation rapide. Comme je sais le faire. On vient quand même de mettre une sacrée défaite à la France. Go. Pareil, on va améliorer les relations. Enfin, on va améliorer les relations. Pareil, elle viendra plus tard. La Hongrie, on vous offre une alliance. La Pologne. Si vous faites rien pour pas améliorer l'alliance, on n'est pas dans la merde. Vous. La Russie, ils nous détestent, ils sont en guerre contre des pays qui servent à rien. La Grande-Bretagne, c'était désespéré. Et la France, là, ils doivent nous haïr. C'est un truc de monstrueux. Autriche, ils nous détestent toujours. La Bavière, toujours. Parme, toujours. Et vous? Guerre déclarée. Annexer un vassal, expansion agressive. Ouais, bon, voilà. Reprendre avec vous les améliorations. Comment je vais me débrouiller pour vous annexer, vous? Non, l'Italie, ils veulent vraiment pas que je la fasse. Ok, rappeler, non.
Ils veulent vraiment pas que je fasse l'Italie. Bavière contre nous. Cardino, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, ça va. Alors avec l'Espagne, on en était où? Moins 55. Est-ce que on avait des petits trucs particuliers? Mariage royal, tout ça. Non, ça coûte trop cher. Et améliorer les relations, utile ou pas? Oh, 50, oui. On va améliorer un peu les relations avec eux. Donc, toujours content. Le Danemark, on lui a refilé comme un bon terrain. Je sais pas si c'est un cadeau ou pas. Pas commencer avant le 31 juillet. État pontificaux contre nous. Refusé. La Bavière qui m'en veut, ça c'est habituel. Je suis parti pour un long moment, encore une fois, de traverser du désert. Le temps que les effectifs se refassent, on va traverser le désert longtemps. Ah, du coup, les Flandres n'y mènent pas à cause du territoire illégal. Ça va être un peu plus long pour le truc. Comment ils ont fait pour recevoir le... à annexer quelqu'un? J'étais même pas en cours à ce moment-là. Ah, l'âge royal, il est lancé. La Pologne, c'est compliqué de la récupérer. Félicitations. On va renvoyer l'alliance. Je sais, Milan, vous m'aimez pas, mais ça vous, vous l'avez suffisamment dit. Avec les Pays-Bas aussi, c'est vrai que j'en étais où? Relation améliorée, mais comment ça a fait pour... Ok, bon, ça veut dire que eux, on avait du boulot, on a encore du boulot. Pourtant, les Pays-Bas, ils m'aiment bien, ça le problème. Ah, là, c'est pas un problème. Je suis content qu'ils m'aiment bien. Mariage royal avec vous. On va être en, certainement au niveau 30 militaires. Dès qu'on prend 87, je pense. 87, ce serait bien. Les Flandres, on va l'alliance, ce sera le 2. Oui, c'est ça, l'Autriche. Sortez de la coalition, on est gentil. Nous. Surtout que j'ai rien fait aujourd'hui. C'est même pas moi qui ai déclaré la guerre. Moi, j'ai rien fait. Moi, je me suis juste battu. Ouais, dans leur rivaux, je m'en fous totalement en fait. Accepter l'alliance militaire. De toute façon, je peux pas faire autre chose que ça. J'ai plus qu'à attendre qu'on ait 100 en plus. Ça fera 155. Le reste, ça va diminuer. Ok, mais ça diminue plus dans le du côté négatif qu'autre chose. Alors, chez qui je peux tenter de retrouver une alliance? La Pologne? On va essayer de récupérer quelques relations. On va essayer de sauver les meubles. Ouais, on va juste sauver les meubles parce que... Comment je peux être pote avec eux? Avec eux, j'ai un score de malade, quoi. On va dire, si je veux avoir un espoir, les annexer, faut que je fasse la paix jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la fin de la partie. Et encore, c'est même pas moi qui ai fait la guerre, là. C'est la France qui est venue se taper contre moi. Perdre 10 en prestige ou 45 000 d'effectifs. Bah, vous savez quoi? On va financer. Normalement, en un mois, les 10 000 vont partir.
du coup, regarde le prestige et on perd 2000 hommes. Allez, hop. On sacrifie ça et on baisse le moral des troupes. Des états pontificaux qui m'insultent, mais sincèrement, qu'est-ce que vous voulez, j'en ai à foutre. Alors, en cours d'annexion, il n'y a que lui qui résiste, 210, et j'ai combien, 8. Au niveau des trucs contestés, on en est où? La Bohème à 80, la France à 56. J'ai toujours mon... Non, la France c'est pas possible, pas de mariage royal avec eux. L'ordre de Livoli. J'ai un mariage royal avec eux. À la mort de mon régence. Alors. Voilà. Je vais essayer. Je vais voir si je peux piquer. Si je peux être en union personnelle sur l'ordre de Livonie. Pourquoi pas, hein? C'est le seul qui est certainement auquel je peux faire ça. Et le Mali et Brandebourg. Brandebourg, leur mariage royal, je suis à... Ah, je suis plus à moins 20. Ils ont rompu l'alliance avec nous. Carrément. Bon, ça c'est vraiment un essai. On verra si d'ici un ou deux ans j'ai gagné le contrôle de ce pays ou pas. Et même si je gagne le contrôle de ce pays, ça va pas être énorme. Pologne, je suis au maximum. La France qui essaie de me piquer un cardinal. 150, je vais en mettre à 100. En Mayence, je peux rien faire avec eux. Regardez le reste des successions. Ouais, c'est Brandebourg. Brandebourg, il y a peut-être un espoir qu'on soit potes. Ils disent que pour l'instant, avec eux, c'est faible. Donc, je vais tenter d'imposer un mariage royal en urgence. Notamment, c'est Saint-Empire. Il reste combien de pays dans le Saint-Empire? Un, deux, trois, en fait. Bade va disparaître très bientôt. La Bavière, pas jamais. La Bohème, jamais. Brandebourg, compliqué. L'Autriche, compliqué. Manance, compliqué. Mayence et les états pontificaux. Coalition. La Bohème coalition. Coalition qui est dans la coalition totale. Bavière. Alors, le Danemark est au rendez-vous. Les Flandres sont au rendez-vous. L'Ukraine, la Toscane. Tout le monde est là. La Pologne, moins 44. Comment je peux essayer de me débrouiller? Je vois pas comment je peux me débrouiller. Hein. Ah si, je pouvais proclamer une garantie sur la Pologne. Ça va les aider un petit peu. Mais aller plus loin que ça, je vois pas. De toute façon, à cause de la guerre, il y a certainement d'avoir un méga malus à cause de ça. Non, c'est que 35 le malus.
Alors j'ai 80 000 hommes. Ah, j'ai des hommes derrière aussi. C'est qui eux? Et le commerce. État pontifical, ils ont personne. Vous, je vous positionne tout de suite là-bas. Et j'arrête la partie ici. On verra la suite de cette guerre dans le prochain épisode. Où je m'attends certainement déjà à une arrivée de la Bavière et une arrivée de la Bohème. Ce qui fait qu'il va falloir agir très très vite. On est où pour le niveau là? 5 ans d'avance. Ok, eux ils sont à fond, ils vont être compliqués à tuer. 30, les états pontificaux ils ont le niveau 30. La Bohème, ils ont le niveau 30. Ça nous fait combien d'hommes? Ah, on a pas beaucoup de cavalerie. Pour l'instant, de base, Mayence, je peux m'occuper d'eux. Est-ce que ça se... Je me demande si ça se passe bien. Ok, on va... Donc je coupe la vidéo et je vous dis ciao.